Last movement, yes. Super. Bon.
Je pense aussi, tu vois, ici, je pense que tu pourrais être encore plus, parce que, bon, peut-être c'est la première. Ouais, j'étais pas bien ensemble. Oui, parce que, bon, peut-être tu es un peu trop encore sur la pluie, évidemment, la musique, c'est normal, mais je pense que tu vois, tu te mets un peu plus, comme ça. Et comme ça, même dans un coin de l'œil, tu as l'archet toujours. Et tu peux voir, parce qu'il y a pas mal de choses, évidemment, où c'est, tu dois être complètement avec. Et sans être, bon, tu peux être comme ça, mais tu peux avoir à la fois là sur la partition et puis aussi voir ce qui se passe et respirer avec. Okay. Alors après, c'est beaucoup de petits détails, enfin beaucoup, pas mal de petits détails, des choses dans les longueurs de notes aussi, toujours pareil quand tu es avec violoncelle, de bien avoir la même façon de tenir une note, de soutenir une note ou pas. Et ça, c'est aussi très visuel, évidemment, à l'écoute, mais aussi visuel de voir un petit peu comment fonctionne l'archet quand l'archet arrive au bout et de ne pas toi être parce que tu as plus d'air et tout, donc garder la sonorité plus forte alors que l'archet peut-être de l'extrémité. Voilà, des petits détails comme ça qui vont faire que ça, c'est vraiment quelque chose de très blend. Après, beaucoup de possibilités, discussions dans les. Aussi dans les tempi. Le tempo, j'ai beaucoup aimé au début. Après, quand on arrive dans la section, on est vraiment avec un côté un peu plus, plus calme, peut-être un peu comme si tu repenses à la 4e symphonie de Brahms. Et souvent, je trouve dans l'expression chez Brahms, quand tu as ces rythmes ternaires, ou pas forcément ternaires, mais avec l'utilisation des croches, anticiper un tout petit peu la croche, pour lui donner un tout petit plus de place pour l'expression. Tu peux jouer très très précisément. Métronomique, c'est parfait. Et si tu joues un peu plus tôt, et tu donnes un peu plus de temps dans l'intervalle. Pour l'expression. C'est très peu de choses, mais c'est des petits détails comme ça qui peuvent faire un petit peu la différence. On peut refaire au début, si tu es d'accord. Ouais. À cause de l'instrument, on entend naturellement. Parce que instrumentalement, ça sonne comme ça, la clarinette. Alors, peut-être garde un peu quelque chose de plus mystérieux. Et pour garder le forte, là. Et là, tu peux être vraiment plus comme le violoncelle, c'est-à-dire avec plus de consonnes. Un peu plus volontaire et plus prononcé, articulé. Et on a toujours peur de ça, parce qu'on a peur que ce soit un peu rude, etc. On veut toujours jouer très, très clarinette. Il faut sortir un peu de la clarinette et avoir plus le contact avec la voix et la prononciation. Tu peux faire directement sur l'entrée de la. Ouais, pour avoir la connexion. Peut-être juste une mesure avant ou comme ça. Au début, hein, c'est peut-être. Au début, ce sera merveilleux. Comme ça, on profite encore. Oui. Encore une fois. Si tu veux bien. Hein. Ok. Ce dont je parlais tout à l'heure,
ne pense pas, évidemment, parce que instrumentalement ça sonne, je l'ai dit. Iolile, on pense Iolile. Oui, la note expressive Iolile. Si tu insistes un petit peu là-dessus, et de pas, c'est vraiment le temps essentiel, et pas la note supérieure. Directement sur ton entrée. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. C'est ça avec la bonne clé. Encore ? 1. Tu fais très bien avant, les gâteaux. Ici, avec un silence. Pas trop, ne déborde pas. Ose vraiment le silence. Une dernière fois. Un. Toute la valeur avec presque de la main gauche, vraiment comme si tu jouais. Et au bout de la terre, comme si tu jouais du violoncelle. Une dernière fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Le piano avec l'instrument instrumentalement percussion, le piano ne fait pas, il ne peut pas faire ça. Donc, tu peux jouer, vous pouvez jouer sur la partie du piano ici. Plutôt phrasé sur deux mesures. Et après, comme c'est écrit avec le crescendo pour pouvoir sortir. Sur ton entrée, c'est B, alors c'est pas sur. Les valeurs longues quand elles sont dans le legato. Pa ti ro ri ra ra ti
Plus t'es tôt. On fait là-dessus directement, c'est lettre C, mais. La double barre, peut-être que c'est ça la double barre. Ah oui, c'est ça. Papi de luz.
Quand c'est triolet, vraiment plus. Et un peu le principe que je disais tout à l'heure, comme si tu commences un peu plus tôt. Pour donner un peu plus de place. Et après, sinon, on n'entend pas la différence. Il a écrit la différence. Je trouve que c'est assez intéressant. Ok? On peut. Oh, la même chose.
deuxième fois. Hein. Ah, c'est bien. Deuxième fois. Et ici, c'est toujours un peu difficile parce que on a tellement la volonté d'être très ensemble. Et ça sonne très vertical en fait. Ça sonne très bien, je veux être bien avec les autres. Et je trouve l'écriture entraîne pour moi l'élan. C'est-à-dire donner vraiment, aller vers quelque chose. Ça reste un tout petit peu encore trop vertical. D'accord. Donc peut-être laisser un peu partir le tempo, installer quelque chose de plus horizontal. Avec la clarinette. De sonorité ici. C'est pas le climax, il n'est pas ici encore. Donc il faut garder l'énergie, encore la possibilité au niveau de la sonorité, de ne pas donner le maximum. Et en plus, tu vas couvrir un peu le violoncelle. Il a déjà beaucoup d'énergie ici. Il ne peut pas rivaliser avec la sonorité de la clarinette dans l'aigu comme ça, qui va être un peu dominante. Sur le piano, sur quand tu veux, sur ta tenue, quand sur le forte. La 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 la
le sol, sur ta longue note, ne sois pas trop. Ne garde pas tellement l'énergie. Dans la tension, oui. Et dans la sonorité, tu gardes un petit peu. Un petit peu au deuxième plan. Même chose. Avec le piano. Même que tu aies vraiment un œil sur le clavier. C'est pour ça qu'on a une très bonne situation quand on est assis ici. Parce que tu peux vraiment regarder le clavier et jouer avec elle. Alors, tu connais par cœur. Ça, c'est très bien, c'est très bien. Oui, pas trop courte. Après, c'est une conséquence. Même chose après. Donne-toi la possibilité de donner la phrase, de mener la phrase. Après, tu peux repartir un peu tranquillement. Toujours les intervalles. Ici, il y a toujours cette. J'adore cette. Il y a la particulier comme ça. Mais quand même. C'est quelque chose de vocal. Imagine que tu es chanteur. Avec des mots et ce que tu veux derrière. Pas juste de la clarinette et juste les intervalles que tu contrôles très très bien. D'ailleurs, tu fais très bien, mais avec plus d'expression. Entre les notes. Sur la clarinette, c'est le forte. Exactement ça, tu vois, c'est, ne change rien en fait. Tu as tout le temps, je sais, c'est tricky ça, ce passage, mais tu as le temps de te déposer. Même chose.